Salam alaikum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de la prestation donc d'Andy Delors déjà, donc buteur face à Nîmes dans le derby du Languedoc-Roussillon. Un but partout. Andy Delors avait marqué. Il a mangé un crocodile rouge. Par contre, il a été, comment dire, il a été refusé le but. Par la suite, ouverture du score de Nîmes Olympique. Il y a eu la passe décisive, bien sûr, de Zinedine Ferhat, hein, qui enchaîne plus ou moins toujours les bonnes prestations avec Nîmes. Et je pense que d'ici la saison prochaine, il ne sera plus là. Et quoi d'autre? Pour ce qui est de d'Andy Delors, par la suite, il a quand même égalisé. Il s'est dit, il faut absolument rattraper le coup parce que sinon, il va se faire charrier à mort par les supporters nîmois. Donc, match nul, un but partout. Et donc, ça fait plaisir de voir le retour d'Andy Delors, qui est toujours aussi important dans l'effectif montpelliérain. Et puis, c'est une bonne chose pour lui et pour son club. Voilà. Mehdi Zerkan, passeur décisif à Dijon, donc victoire de Bordeaux 3 buts à 1. Belle prestation de Mehdi Zerkan qui était donc titulaire durant ce match. Et ce qui est bien, c'est que par la suite, ça je vais en parler dans une autre vidéo. Je vais en parler dans une autre vidéo. Farid Boulaya, prestation correcte, match nul à Lens, 2 buts partout. Bon voilà, ils vont pas faire la fine bouche non plus. Bon, Oukidja, comme vous le savez, il est suspendu pour 5 matchs en tout, dont on va dire 4. Je pense que le sursis, il va l'obtenir, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il commence à perdre un petit peu des points, Metz, mais bon, là, ils ont joué quand même contre une équipe qui, comme elle, on ne les attendait pas dans le haut du classement, Lens et Metz, donc tant mieux pour les deux équipes, voilà. Qui d'autre encore en Ligue 1? Écoutez, c'est tout parce que je vais faire une autre vidéo vraiment pour parler d'un joueur bien précis et je pense que vous savez de qui je parle. Voilà, écoutez, force à eux, ils ont fait de très bons matchs et c'est de bon augure pour la suite en tout cas. Salam alaikum.